Pour moi, protéger les enfants, c'est si important. C'est probablement la même raison ou les mêmes raisons que pour vous. Les enfants sont pour nous des trésors. Pour moi, un enfant, c'est un ange. C'est un ange qui nous arrive avec toute sa spontanéité, son innocence, sa vulnérabilité, sa très grande vulnérabilité. C'est quelque chose qui m'a toujours touchée d'ailleurs, à quel point un enfant est vulnérable. Et je trouve qu'on a un devoir de les protéger clairement, de les nourrir, de les éduquer, de les chérir et de les aimer, surtout au départ de les aimer. Alors de se lever contre cette exploitation, je pense que c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est probablement quelque chose que vous sentez et que vous avez envie de faire vous aussi. C'est vital, c'est la base. Il faut chérir les enfants qu'on aime tellement et qui nous sont prêtés. Pour qu'on les aime. Terrain de jeu où tout est possible. Je pense que quand tu nais pur, tu nais avec toutes les possibilités devant toi, puis il y a une innocence, une joie de vivre, une ouverture que c'est évident que un enfant qui grandit dans des conditions malsaines, qui est soumis à des abus ou on lui enlève cette petite lumière-là qu'il a naturellement au fond de lui, puis on l'assombrit. Et voilà, on enlève cette candeur, pour moi, cette pureté-là. Une partie, en tout cas, de sa pureté. Vos enfants, vous voulez les chérir, vous voulez les protéger, aimez-les, chérissez-les, embrassez-les avec cœur et amour. C'est ce qu'on a voulu vous montrer, tout simplement. Protéger les enfants, c'est ce qu'on vous demande. À travers les Free Hugs, en fait, on est heureux de pouvoir avoir eu la collaboration des artistes québécois. On trouve important, en fait, de pouvoir démontrer qu'à travers un Free Hugs, on peut avoir un geste qui est chaleureux, qui est simple, et qui est sain. Sur cette base-là, on voulait simplement pouvoir accompagner les enfants et offrir une image de gestes généreux entre nous. Aidez-nous à aider les enfants.